des nonos, je suis ravi de vous retrouver encore pour des astuces de nonos avec le retour du micro-cravate pour m'éviter d'avoir donc cette fameuse tête de mouche à merde, n'est-ce pas? Et donc je suis ravi de vous retrouver parce qu'en fait on me pose pas mal de questions vis-à-vis des guitares Vigier. Alors tout le monde sait que j'ai un amour absolument irrépressible et éternel pour les Charvel avec leur esprit années 80, Beast to Fly One Again. Mais il n'empêche que je suis un fan de guitare en général et j'aime aussi particulièrement les Vigier. J'en utilise pas mal et j'en ai à titre personnel un certain nombre tellement je les aime. Donc on me pose quand même pas mal de questions vis-à-vis de certains points, vis-à-vis de certaines spécifications techniques. Donc aujourd'hui je vous propose 6 trucs à savoir sur les guitares Vigier. C'est parti avec le premier point. Alors, le fameux manche 90-10, alors, on en entend beaucoup parler, à gauche, à droite et tout, sur les Vigier, mais qu'est-ce que c'est réellement? Alors en fait, moi j'ai pris donc mon Excalibur Custom que voici, mais c'est une spécificité qui figure sur toutes les Vigier. Donc voici un manche Vigier, en érable, n'est-ce pas? Avec une tige carbone qui représente 10%, c'est pour ça qu'on dit 90%, 10%, 90-10, donc qui représente 10% de la totalité du manche. Donc regardez sur ces petits plans resserrés, cette petite tige carbone que je vous montre. Alors c'est une tige qui est insérée et collée à l'intérieur du bois via une sorte de petite saignée, si vous voulez. Et quelle est son utilité? En fait, le carbone est une matière très très dure et résistante qui est très très peu sujette aux variations d'humidité, variations de température et tout ça. Donc ça veut dire que cela garantit à votre manche une rigidité à toute épreuve, que vous jouiez en intérieur, en extérieur, dans un autre pays, en tournée ou alors dans votre salle de bain bien humide après une douche bien chaude. L'autre intérêt, et pas des moindres, croyez-moi, c'est l'oblitération totale de réglage de truss rod. Que ce soit au niveau de la tête, que ce soit au niveau du talon, il n'y a absolument aucun réglage de truss rod parce que le carbone présent à l'intérieur du manche rigidifie votre manche en fonction de votre tirant de corde. Que vous mettiez un 9,42 tout mou comme moi, ou un 12,54 ou 12,56 énorme, même en standard, votre manche se pliera, si vous voulez, de lui-même en fonction du tirant de corde que vous avez à mettre. Ce qui vous permet de changer de tirant de corde, et ben écoutez, comme vous le souhaitez, dans la mesure où il faut aussi régler un petit peu au niveau du chevalet, des 2-3 petits détails, mais au niveau du manche, eh bien, vous n'aurez jamais à le toucher. Ça, c'est quand même pas mal. Donc voici le premier point balayé, rapidement, on passe tout de suite au second. Alors, les numéros de série qui figurent sur les plaques Vigier sont assez simples à lire, surtout si vous cherchez l'année de production de votre guitare. Eh bien, écoutez, regardez une fois de plus sur ces plans de coupe. Le numéro de série comporte donc plusieurs numéros, hein, bien joué Nono, hein, Captain Obvious, thank you. Et les deux premiers numéros de série indiquent toujours l'année de fabrication. Par exemple, si votre numéro de série commence par 96, avec d'autres chiffres derrière, eh bien votre guitare a été produite en 96. Si vous voyez 00, c'est qu'elle a été produite en 2000, 01, 2001, et ainsi de suite. C'est très très simple et immédiat pour pouvoir se figurer l'année de production de votre Vigier. On passe maintenant au troisième point. Alors il y a une spécificité, une de plus, aux guitares Vigier, hein, spécifique aux guitares Vigier. Et cette spécificité-là s'applique aux guitares qui possèdent 3 micros, dont un au centre. Alors là, par exemple, j'ai pris mon Excalibur Supra qui a été modifié avec des micros Benedetti, hein, qui m'a servi aussi pour ma vidéo sur la tenue d'accord du vibrato standard. Mais là, une fois de plus, c'est pas ce qui nous intéresse à nouveau. En fait, sur les guitares qui donc, ont 3 micros, notamment celle-là qui est en HSH, ou les experts qui ont 3 simples bobinages, eh bien, la position intermédiaire n'implique pas du tout le micro central, contrairement aux configurations Stratocaster habituelles, entre guillemets, si je puis dire. La position intermédiaire implique, dans le cadre de cette guitare, par exemple, qui a un double, un simple et un double, eh bien, la position intermédiaire implique une bobine du grave et une bobine de l'aigu. Et le micro intermédiaire n'est pas mis en compte, n'est pas mis en œuvre, si vous voulez. Le micro intermédiaire intervient dans la position aigu moins 1, si je puis dire, avec le micro milieu et une bobine de l'aigu, et la position grave moins 1, si je puis dire à nouveau, avec une bobine de grave et le micro milieu. Mais quand on est en position intermédiaire, c'est-à-dire avec le sélecteur de micro au niveau
de la position milieu, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. On a une bobine du grave et une bobine de l'aigu. En ce qui me concerne, je n'ai jamais de toute ma vie utilisé le micro du milieu tout seul. Je trouve que les sonorités ne sont pas du tout intéressantes en ce qui me concerne, chacun ses goûts bien entendu. Mais se trouve cette configuration de micro et de split très intéressante. Donc en position milieu sur le sélecteur, on a une bobine de grave et une bobine de l'aigu. Point suivant. Ah, les vibratos, que ce soit Floyd Rose ou vibrato standard, qu'ils soient flottants ou posés, quel large débat, n'est-ce pas? En l'occurrence, chez Vigier, à partir d'une certaine année, sur les Excalibur, parce qu'il y a une année jusqu'à laquelle les vibratos étaient comme, entre guillemets, tous les autres, sur couteau, eh bien, l'idée en a pris à M. Patrice Vigier et à son équipe de nous faire des guitares avec des vibratos sur roulement à aiguille et pas à roulement à billes. J'ai fait l'erreur pas mal de temps. C'est une erreur tout à fait légère, hein, n'est-ce pas? Mais quand même, les vibratos sur roulement à aiguille, comme vous allez le voir sur ces images, reposent sur deux goujons qui figurent en fait une articulation avec des aiguilles, c'est-à-dire qu'il n'y a virtuellement aucune usure, vous voyez. Cela améliore plusieurs choses. On a déjà un meilleur retour au point zéro, le point zéro, je le rappelle, étant l'équilibre parfait entre la tension des cordes et la tension des ressorts de rappel. Et on est aussi en face d'un vibrato virtuellement inusable. On peut l'utiliser comme des malades, la seule obligation étant, entre guillemets, de faire attention à la casse des cordes, si vous voulez. Mais le vibrato en tant que tel est absolument inusable, à moins que vous ne faisiez du vibrato pendant 15 ans ou 25 ans, sans discontinuer, vous entendriez ou vous verriez peut-être un petit jeu. Mais rien à voir avec l'usure des couteaux. Il faut bien comprendre que les vibratos sur couteau reposent sur deux goujons dont les gorges sont, entre guillemets, au fur et à mesure, sciées par l'articulation des couteaux qui reposent dessus, si vous voulez. Alors que dans le cadre des vibratos sur roulement à aiguille, le roulement à aiguille autorise, si vous voulez, une action et une articulation sans usure virtuelle. D'accord ? Le seul autre fabricant, à ma connaissance, hein, après je ne détiens absolument pas la vérité absolue, le seul autre fabricant qui, à ma connaissance, propose le même système, c'est Ibanez, avec le système ZR, des vibratos zéro résistance pour ZR, qui repose sur des roulements, alors à aiguille ou à bille, je ne me souviens plus très bien, mais en tout cas, ces vibratos sont aussi de très très bonne facture. On passe au point suivant. Ah, la fret zéro, un sujet de débat quand même assez houleux parmi les vigiéistes et les non-vigiéistes. Alors en fait, la fret zéro, il faut la considérer comme un consommable. Moi, je vous le dis honnêtement, la fret zéro, au même titre que les cordes, présente au fur et à mesure de l'usage des usures qui sont normales. Mais les avantages de la fret zéro sont tels que je préfère changer ma fret zéro tous les 4-5 ans ou tous les 3 ans, aller à la limite, ou même aller, je vous le dis carrément, tous les 2 ans. Et garder les avantages de ce système. Alors les avantages, selon moi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les cordes à vide qui ont la même sonorité que les cordes frettées, puisqu'en fin de compte, la corde à vide résonne sur du métal, hein, entre guillemets, si vous voulez ce que je veux dire. Ensuite, la fret zéro permet une tenue d'accord incroyable. J'ai déjà fait une vidéo sur la tenue d'accord, je vous l'ai déjà dit, hein. Donc la fret zéro présente très peu de friction. Petit conseil au passage, pour les possesseurs d'Excalibur à vibrato non bloquant avec une fret zéro et sans blocage de corde, donc une petite goutte d'huile de vaseline extra fine au niveau du point de contact entre les cordes et la fret zéro et votre guitare tiendra l'accord comme une dingue. Donc je vous le montre à nouveau sur ces images prises de près. On voit que les frettes normales du manche ont un pied qui est collé dans la touche, alors que la fret zéro présente un pied non collé. Vous voyez sur le bord, la rigole, la petite gorge qui accueille la fret zéro n'est pas collée, on le voit. Donc là, je n'en ai pas sur moi et je n'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin de changer de fret actuellement, mais quand j'en aurai besoin, je referai une vidéo d'astuces sur le sujet. Mais il y a déjà une vidéo qui circule sur le net qui montre, et là je vous la mets en lien, qui montre comment changer une fret zéro et elle dure à peu près, en gros, 10 secondes. Ça dure 10 secondes de changer une fret zéro. Il suffit de la faire sauter et de la remplacer par une fret zéro différente, une neuve en l'occurrence.
Et c'est tout. Une frais de zéro, d'après mon souvenir, coûte à peu près dans les 10 euros. Il se peut que je dise une bêtise, hein. Je ne suis pas employé vigier, hein, vous voyez. Je fais cette vidéo par passion, hein, pour les instruments, hein. Donc, de ce côté-là, changer une frais de zéro en un claquement de doigts. Point suivant. Alors, plusieurs questions aussi ont surgi vis-à-vis des sillets des vigiers. Les sillets des vigiers qui ne présentent pas de fleuille de rose, hein, qui ne présentent pas de bloc corde. Hein. Quand il y a un bloc corde et un fleuille de rose, c'est une philosophie un petit peu différente, voyez-vous. Par contre, pour ce qui est des Excalibur ou même des Indus, qui ne présentent pas de vibrato fleuille de rose, pardon, et même des vigiers GV, le vrai sillet, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas la partie noire qui figure derrière la frette 0. Le vrai sillet d'une vigier, c'est la frette 0. La note est définie par la frette 0. Ce qu'il y a derrière, comme vous le voyez sur ces images, à nouveau, ce n'est qu'un guide corde latéral, si vous voyez bien ce que je veux dire. La frette 0, c'est le sillet, c'est ce qui définit la note. Et à l'arrière, entre guillemets, ce qu'on appelle le sillet, d'une manière convenue, eh bien, ce n'est pas vraiment le sillet, ce n'est qu'un guide corde latéral. D'accord ? Donc voilà, ça vous aidera peut-être à comprendre un petit peu mieux les tenants et les aboutissants techniques des spécificités de vos vigiers, et pour ceux qui n'en ont pas, peut-être de comprendre certaines choses. Les gens ont tendance, d'une manière générale, à trouver que les guitares vigiers ont un tarif relativement élevé. Je peux vous dire, pour les pratiquer, que tout se justifie, si vous voulez. Notamment sur les guitares Indus, qui présentent un tarif approximatif de 1 700 euros, et qui, pour le prix, présentent des améliorations et des spécificités techniques très modernes et absolument incroyables. Voilà. Que ce soit le vibrato à aiguille, que ce soit la frette 0, la tige carbone, les frettes en inox, dont je vous reparlerai peut-être dans une autre vidéo des choses à savoir sur les guitares vigiées, les flex retainer, système flex retainer, mécanique bloc corde, enfin tout ça concourt à une tenue d'accord géniale, une stabilité incroyable et à un son qui est à votre service, au service du musicien, qui n'est pas spécialement typé, mais qui vous permet de vous exprimer et d'entendre vraiment ce qu'envoie le musicien. Bon bref, je m'égare peut-être un petit peu, les petits loulous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis rendez-vous à une prochaine vidéo d'Erasto, c'était Nono. Et je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne nuit, suivant le moment auquel vous regardez cette vidéo. One again. A plus.